Salut à tous, alors nous revoilà avec la Porsche sur Suzuka pour continuer ce setup. J'ai fait les 15 tours. On a plus d'usure. Bon, c'est vrai que j'ai fait une belle sortie de piste, donc ça peut être un peu joué. Donc on va voir, mais bon. Ouais, sur l'arrière, on a plus d'usure aussi, donc à voir. Quoi qu'il en soit, on va commencer ici avec. On va terminer en fait la géométrie. Alors. Le plus proche de 0, je vais mettre moins 2, hein, parce que. Je préfère largement moins 2, moins 0,2 que plus 3, ça c'est sûr. Je suis en train d'enregistrer, oui. On va essayer de mettre un petit peu de twin à l'arrière. Pas trop, parce que le but, il faut que la voiture elle tourne, mais en mettre un petit peu quand même me permettrait peut-être de, je pense, stabiliser le freinage un petit peu plus, étant donné que le twin c'est surtout en entrée de courbe qu'on le sent. Donc on va voir. Allez, on va vite refaire un petit run de 3 tours ici, histoire de bien se calibrer. Parce que mon run de 15 tours, il n'était pas terrible. Donc, on va voir. Voilà pourquoi j'aimerais mettre un petit peu de twin à l'arrière. Je pense quand même que j'ai un peu exagéré avec la balance de frein. Thank you.
Ok. Alors, non, des photos. Appliquer. On va voir ce que ça donne. Petit quelque chose, ça va être pas mal. Voilà, ouais, je fais encore un travers, mais c'est plus les grosses embardées comme elle faisait d'habitude une fois qu'elle partait du coup au freinage. C'est une légère petite dérive. Ce qui me permet de. Pas être sur des œufs à chaque fois que je freine. Donc voilà, il faut pas plus. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. On va pas mettre plus parce que c'est pas ce vers quoi on veut se diriger, c'est-à-dire supprimer le virage. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc voilà, j'ai mis juste. Le petit chouïa nécessaire pour pouvoir stabiliser la voiture. Donc on va sauvegarder ça. Ouais, donc on est ici à plus 0,6 et plus 0,7. Save as. Tout primaire. Voilà.
Et bon, je ne vais pas refaire un run de 15 tours pour ça. La prochaine étape, eh bien, ce sera les ailerons. Les ailerons. On devrait, en théorie, gagner un petit peu en vitesse de pointe. Et puis surtout, on devrait permettre à la voiture de mieux tourner. Donc, on va voir ce que ça donnera. Voilà pour cette petite étape très rapide. La suite dans la prochaine vidéo. À plus, ciao ciao.